ça c'est un truc que je vais poser. Ouais. Hein? C'est dommage, il est trop tard. Notre amour n'a vraiment rien pu changer. Tu étais celle que j'attendais depuis longtemps, depuis un moment. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, ne m'en veux pas. Pardonne-moi, 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 je t'en prie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, ne m'en veux pas. Pardonne-moi, 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 ne m'en veux pas. Pardonne-moi, 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 je t'en prie. C'est dommage, là, mon passé, hélas, nous attraper, a détruit notre édifice. Mais voilà, mon passé, hélas, nous attraper. A détruit notre édifice. Ne pleure pas, sèche tes larmes. Ne pleure pas, sèche tes larmes. Je te veux libre, heureuse, épanouie. Même si c'est sans moi. Ne pleure pas, sèche tes larmes. C'est bizarre.
Ne pleure pas, sèche tes larmes. Je te veux libre, heureuse, épanouie. Même si c'est sans moi, ma quête a pris le pas sur notre prison dorée. Pardonne-moi, pardonne-moi. Baby, pardonne-moi. 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 Baby, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Baby, pardonne-moi. Pardonne-moi. Baby, pardonne-moi. Pardonne-moi. Réellement, quand j'ai commencé, parce que c'était quand j'étais avec ma grand-mère déjà, dans une chorale, donc je jouais des percus et tout, et c'est là inconsciemment que je me suis dit qu'un jour peut-être j'allais embrasser la carrière justement de chanteur, artiste en fait. Mais réellement, c'était au lycée, Arcachon justement, dans le sud de la France, dans le sud-ouest. Avec des potes, on a fait un groupe et c'était le reggae. On kiffait ça parce que à l'époque c'était Bob Marley, etc. Et donc c'est là où j'ai réellement pris conscience que j'aimais vraiment ça. Que franchement je kiffais ça. Et j'adorais le reggae. Et même, j'ai même fait des progrès en anglais grâce justement aux traductions des chansons de Bob Marley. Non, franchement, c'était une très très belle époque. D'ailleurs, je vous embrasse, Arcabuite et compagnie. Et après, réellement, c'est, je dirais en 99, quand je suis remonté sur Paris, là, c'était un peu plus pro parce que je jouais avec mon grand frère dans un groupe, Afrobeat. Et là, franchement, c'est là où... je me suis structuré et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Donc en 2003-2004, quand je suis venu ici en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à enregistrer mes sons, etc. Mais avec la crise, en fait, j'ai dû partir en 2006. Mais je nourrissais le projet secret de sortir enfin mon premier album. Donc
de 2006, on est maintenant en 2015 et enfin.